casse pas la gueule. Il teste quoi cette échelle de merde. Ça, c'est une échelle. Une échelle au top. Une échelle au top, ça. Il n'y a plus rien dessus. C'est plastique. Tu leur dis bonjour. Allez, bonjour à tous. Non. Quoi, allez, ça y est, dessus. Hey, bonjour, la DJ Family. Bonjour, la DJ Family. Voilà. Qui tombe sur ma chaîne. Non, c'est pas ma chaîne à moi. Vas-y, non, c'est toi qui dois le dire, ça. Arrête, comment ça. Ah, putain, elle va durer 2 heures la vidéo. On n'a pas commencé. Et en plus, j'ai chaud. Je suis dans la piscine, elle est vide. C'est pas la peine. Bonjour, la DJ Family. Toi qui tombes sur cette chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Voilà, ça c'est ma phrase habituelle. Eh oui. On leur dit que tu t'es fait influencer ou... Eh oui, oui, malheureusement, oui. Il faut leur dire que j'ai été influencé, voilà. Alors, Ludo, on a déjà fait une vidéo ensemble. Je vais vous la mettre en haut dans le coin de la vidéo, où on a fait une recherche de fuite. C'est une catastrophe. Voilà, d'ailleurs, on n'a pas trouvé la fuite. D'ailleurs, on n'a jamais trouvé. Si, je l'ai réparé. Voilà, c'était ça tout le long de la vidéo. On n'a pas pu travailler. D'ailleurs, je l'ai réparé. Si vous voulez rigoler un peu. Il a essayé de la réparer. Allez voir la vidéo que je vous mets. Voilà, comme ça, vous verrez un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai fait une vidéo, moi, sur ma chaîne où j'ai changé le liner de ma piscine. Et Ludo, il a vu la vidéo, m'a appelé. Bon, on s'est eu au téléphone et il s'est fait influencer. Voilà, c'est ça exactement. Ben, j'ai voulu changer le liner de ma piscine parce que bon, j'ai amélioré le contour de la piscine. Voilà. Et il fallait que je change le liner quoi, parce que la piscine avait plus de, je crois, elle avait une dizaine d'années. Donc du coup, j'ai dit à David, j'ai dit voilà, je veux changer le liner de la piscine. Et donc, tu as appelé? J'ai appelé Interplast, voilà, Interplast. Valentin de chez Interplast. Alors attention, voilà. Lui, il n'est pas en partenariat. Hein. Voilà, exactement. Il a payé son liner. Hein. J'ai payé tout, il n'y avait pas de soucis. J'ai même payé David aussi. Il faut qu'on en discute. Arrête putain. Bon, c'est quoi? Ouais, c'est comme ça. Je pense que cette vidéo va durer beaucoup comme ça. Mais non, parce que moi j'ai envie de me baigner, moi. Tu vois, j'ai vraiment envie de me baigner. Ouais, tu vois, voilà. On va voir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une feutrine tout autour. Voilà. Au sol, on va poser le liner. On a les baguettes ici pour l'accrocher. En gros, on va essayer dans la bonne humeur de vous montrer comment ça se passe. Et est-ce que c'était si simple que ça sur ma vidéo? Eh ben, moi, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit c'est vachement simple à faire. Voilà. Après, à voir hein, si c'est simple ou pas. Hein. Je sais pas. Moi, j'ai bien en mode caméraman. Hein. je vais rien faire. On se met à bosser? Allez, on se met à bosser, c'est parti. Allez, attends, mais avec quelle intro déjà, les mecs vont être morts de rire. Voilà. Ludo, ça sert à quoi ce trou? Alors ce trou il va servir en fait à mettre la lumière. Voilà. D'accord. Donc on va mettre le géotextile avec le liner et ensuite on mettra la lumière par-dessus. Et ouais. Quoi? Bon tu la graffes et après on mettra un coup de... On la graffe comme ça. On mettra un coup de cutter, ouais. Attends. Tiens-le. Voilà, attends. Attends, on va dégrafer là-haut. Moi, je pense que on va prendre la moitié ici. Fais-moi une bande ici, là. Non, mais je fais ça et j'avance comme ça. Ah, bah comme tu veux. Ouais, c'est pas mal. Pense en haut aussi. Hein. Ouais. T'as rien, ce petit petit. Allez. On régale. Oh. Mais je m'en doute, hein. Mais c'est moi me régaler. Allez, vas-y, fais-moi une graffe en bas, là. C'est une passion, la graffe. Au sol, au sol. Vas-y, clac, 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 clac. Vite. Et si tu restes appuyé, fais voir. T'as compris? Tu restes appuyé et t'envoies. Ah ouais, ça va plus vite, hein, oh. Oh, mais moi je bricole pas. On va passer 2 heures à faire une vidéo. Reste appuyé. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, oh. Maintenant, descends là, un petit peu là. Tranquille. Voilà, top. Là? Top, voilà. Là, on est pas mal. Bon, attends, arrête de faire des bibles. Moi, vous avez vu, bon, d'après ce qu'on a fait ensemble, là, en s'accrochant en bas et en remontant, on va découper ce qui dépasse. Mais ça a été la meilleure solution qu'on ait trouvée. Ben ouais, c'est clair, c'est bon. Ok, on fait tout le tour, de toute façon, c'est répétitif. Arrête de rigoler de là. C'est répétitif. Mais c'est répétitif. Ouais, c'est répétitif. Alors on reste appuyé sur la machine et on fait tac 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 tac. Ça c'est pas mal ça. Et allez, on fait le tour. Fais la remontée déjà de l'angle. Ouais.
t'es à la vidéo. Je sais pas si je vais pas aller coller les affiches. Je me régale, voilà. Attends, fais un diagonal, vas-y. Allez, un peu de partout, n'importe où, là. C'est quoi? Attends, je me régale. Il croit que c'est ça qui va tenir la piscine. Il a mis 6 sous... Fais voir comme il s'est donné là. Non, mais je crois qu'il en est à 2000 la graffe. Je lui ai montré qu'on faisait comme ça et qu'on faisait comme ça. Il en fait le partout. Elles sont là. Et c'est juste pour... Vas-y, il reste un peu. Regardez. Il en est à 10 trucs comme ça. Tiens, putain, c'est n'importe quoi. Je me régale. Ça a décollé, c'est top. Hein. Oui, non, mais c'est. Quand c'est top, c'est top. Hein. Allez, on continue. Et on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Quoi. Hein, t'as vu ça? Tu as regardé une vidéo? Ah, j'ai regardé une vidéo. Quoi. T'as vu la vidéo, tu sais, avec le mec, avec le chien là. Allez, prends la balle. Allez, prends la balle. Oh, finesse. J'ai pas mis de peintre sur les parois, moi. Non, c'est vrai, exactement. Et tu me fais ça, maintenant que t'as le coup de main, tu me le fais rapide. Hein. Allez. Attends. Dès que tu me dis go, et je veux que tu leur fasses voir que ça prend 2 secondes. Qu'est-ce que chef, ça marche pas. Quoi, ça marche pas? Ça marche. Hein. Y a plus de gaz. Non, y a du gaz. Qu'est-ce que t'as fait encore? Ah, du gaz. Je te fais n'importe quoi. C'est qu'il y en a une qui était bloquée. Allez, tu vois. C'est pour ça. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Je sais pas. Il a cassé la machine. Appeler des pros. Et ouais, mais c'est pas rouge ça aussi. Tu sais que ce qui. Voilà. Appeler des pros. C'est peu. Je sais pas ce que t'as fait. C'est quoi? Donne-moi un autre paquet de lames. Il n'y a pas grand-chose, hein? Mais t'as combien en bas? Appuie sur glace. Ah non, putain, j'y suis. Attends, je vais voir. Bon, allez, on répare ça, on me reprend. Il n'y avait pas d'air. Oh, t'as déconné. Les amateurs. Non, t'as déconné. T'as tellement... Avec ce petit truc-là, il pose une petite agrafe. Hein. Il a vidé le compresseur. Il y a 4000 agrafes, là. Tiens. Attends, on va faire le bas en premier, comme d'habitude. Yes. Il y a 4000 agrafes. Allez, vas-y. Ça, voilà, bon. Top. Voilà. Attends, là t'es pas bon. Pas bon là? C'est bon, si on est clair là, non? Diagonale. Vas-y. Allez, un peu de partout. Il en a 45 là déjà. Arrête de me dire que. Allez. Allez, fais la bande là. Je crois que ça va tenir là. Ouais, je pense que ouais. Tu fais pareil, le liner, tu vas avoir des fuites partout. Ah quoi, il faut pas le mettre avec la graffe. Allez, vas-y. Moi, allez. Je sais pas. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. T'imagines? Oh, go! Il y a 18 à grave, là. 18! Mais c'est bon, au moins ça tient au moins, tu vois. Ah ben... Au moins on est bien, voilà. Et donc là, si là il y en a 18, là il y en a 150. Il y a des gens qui vont compter, ils vont le mettre en commentaire. Hein. Je vous dis, il a vidé un compresseur, et il a un bon compresseur. Hein. Si, c'est n'importe quoi. Tu m'en fais mal, hein. Allez, c'est bon. C'est bon, voilà. Oh, et on va boire un coup là, j'en peux plus, voilà. T'as les doigts. Je crève là, j'en peux plus là. Hein. Attends, on va leur montrer ce que tu fais, après on boit un coup. Allez. Bon, pour l'instant, qu'est-ce que t'en penses? Non, pour l'instant, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas sorcier. J'ai toujours chaud, voilà. Alors, je suis pas baigné encore. Hein. Ouais, franchement, c'est pas mal.
Allez, je vous fais voir. Explique-nous la difficulté du truc. Bon, la difficulté, bon, c'est surtout poser, poser ce géotextile tout autour de la piscine. Hein. Bon, et surtout, il faut être deux, quoi. Parce que seul, là, tu t'embêtes. Après, je ne sais pas s'il y en a, les pros, ils font ça seuls. Mais quand tu es tout seul, c'est un peu la galère. Voilà. Bon, bon après, ça va, on a graffé tout autour, là. Voilà. Pour déboucher. Tout ce qui meurt, tout ça. Et puis après, quand on posera le liner, on verra ça. Bon, après, il faut qu'on fasse le sol. Voilà. Mais disons, pour l'instant, ça va très bien. Impeccable. Et puis là, la graffeuse, c'est top. Hein. C'est top. Hein. Et surtout, on va aller boire parce que j'en peux plus. Franchement, on va aller boire. Allez, une pause. Allez. On va boire. Attends, on va leur montrer avant. On garde les allez. Bon, profilez. On dirait pas les Men in Black un peu comme ça hein. Non, non. T'as beau t-shirt. Hein. Ça, c'est les profilés. On va mettre la vis ici. Et après, là, on adapte le liner. On le posera là. Comment on l'adapte, fais voir. Où est-ce qu'on l'adapte ah, tu verras, tu verras. Et donc, on va poser ça en haut là. D'accord. Et Ludo, il va mettre les vis. Voilà. C'est bon, c'est bon. Encore un peu. Droit. Top. Voilà. Hein. Allez, vas-y. Tu me niques le dos, si tu veux. Alors, le rrr que vous entendez, c'est pas qu'il dérape, hein. C'est une viseuse à choc. Hein. Parce que je le sais, dans les commentaires, ils vont me dire que... Dis-leur que c'est une visseuse à choc. C'est une visseuse à choc. C'est une visseuse à choc. D'ailleurs, j'ai une boulonneuse. Tu veux pas que je prenne la coupe? Non, elle est tombée, Alors, on va couper ça ici. Tu vas voir. Alors, ça. Bouge pas. Mets-le en place. On va venir dans l'angle là. Bas. Voilà. Une dernière au bout là. Voilà. Ah, c'est bon. Et ben voilà. T'as mis tes coupes hein? Ah ouais, belle coupe. Hein. Franchement, belle coupe. Hein. Tu sais quoi? C'est que c'est chauffé. Mon deuxième surnom? Non. Botte à onglet. On va faire le botte à onglet. Botte à onglet. Ça va, allez, plus qu'à mettre la vis. Allez, vous, vamos. Qu'est-ce que t'as pensé? Non, c'est super. Franchement, simple. Nickel. Ouais, simple. Vaut mieux être deux. Après, vaut mieux être deux, ouais, parce que voilà, le fait de mettre le géotextile et le tendre et tout ça, c'est pas évident, quoi. Même les baguettes et tout. Ouais. À deux, c'est plus facile. Ouais, c'est clair. Surtout, n'oubliez pas la boîte à onglet pour faire les. C'est moi la boîte à onglet. Arrête, je suis con. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est on va aspirer le sol. Ouais, un petit coup d'aspirateur. Voilà, c'est nickel. Allez. Alors, attends, on va décaler un peu. Lève-toi. Voilà. Alors, allez, on le met bord à bord. Avance, ça, hop, lâche. Hein? Lâche-moi un peu de moulin. Je pense que tu as besoin. On a placé le géotextile là, à nos côtes, hein, comme vous avez dû faire. Ouais. Mais je ne travaille plus avec lui. Hein. Ah, la fête de vidéo, elle est tombée. C'est n'importe quoi. On arrête tout. Ouais. Alors, il nous manquait du scotch double face. On est allé le chercher. Parce qu'on a peur que quand on va poser le liner, ouais, qu'on va bouger, que ça bouge. se chevauche. Donc on va le scotcher au double face. Ok? Allez, on va dérouler un petit peu ça. Ah, tu sais quoi, on fait que le début et après on fera toute la bande. Ouais, mais c'est ce qu'on va faire, tu vas voir. Attends, je vais encore un peu. Ça. Jusqu'à là, voilà, c'est bon. On va voir ici, là. Ça. Bon, allez, là, un peu. Quand, voilà, là. Et là, c'est bon. Et là. Alors attends, écouteurs, ils sont où? Ah, peut-être. Ça, on aurait pu même, tu sais quoi, marquer au crayon ça là, comme ça ouais. on met le truc. Exactement, hein, exactement. Et après on sait où on est. Tu sais quoi, on l'enlève complètement ouais, et on voilà. Fera en tout un coup allez, de crayon. Allez, tu vas voir ce que je vais faire ça. Enlève-le.
Et comme ça, on met le scotch au milieu. Exactement. Tu vois à travers et tout. Ouais. C'est beau ça ? Pas beau la vie. Voilà ça. Je dirais qu'on a fait ça toute notre vie. On va faire une vidéo comment utiliser le double passage. Voilà. Sur la planète. Handicapé, je te jure. Sans déconner, quoi. Mais c'est quoi ce truc? Comment tu fais pour travailler? Mais parle-moi de caméra, moi. Ne me parle pas de scotch, quoi. Enculé. Ah, ça. Ça y est, j'ai le bout. T'as le bout? Allez, fais-le. Tu vois, c'est pas mal. Voilà. Allez, bro. Si cherche du boulot, hein. C'est quoi? Si cherche des gars, c'est ma clou. Hein. Je suis là, moi. Pas de soucis. Hein. C'est ma clou? C'est ma clou. Allez, tiens, prends le bout, là. Enfin, pas beau, ça? Je te dis que j'ai raté ma vocation. Pisciniste? Poseur de moquette, c'est ma clou. Poseur de moquette, c'est ma clou. Super. Voilà. Bon, ça va super. Et là, on peut marcher, c'est tendu, c'est bien. Bon, il n'y a rien de sorcier. Ah non, 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 du tout. On met le double face, on tend voilà. Bien. Après, ça se passe bien. Ok. Ouais, allez, impeccable. On termine ça et après, on pose le liner. Voilà, on a le liner là. Et maintenant. Il n'y a plus qu'à le déballer. Alors, tu sais quoi? Ouais. Enlève les chaussures. Oui. Enlève les chaussures, on ne va pas marcher avec les chaussures sur le liner. Allez, ok. Tac, tac. Et il n'y a plus qu'à trouver les coins. D'accord, il faut trouver les coins. Moi, dans le mien, déballe-le. Voilà. Toi, ta piscine, elle est plus grande en plus. Oui, un petit peu. Ouais. Donc voilà, et là j'ai un pli là. Maintenant on va ramener le coin au dans bon le truc. Coin. Attends, bouge pas. Le coin dans le coin. On va ramener le coin. Oh mais vous verrez rien, on le fera sur l'autre. Ouais. On ramène le coin dans le coin. Dans le coin. Voilà. On est pas mal. Et là logiquement, viens. Attends, on va bouger la caméra. On va ramener les mêmes coins. Dans les autres coins. Dans les autres coins. Ça va faire coin coin. Attends, trouve-le là, trouve-le. Attends, moi tu sais, je suis. Ah, oui, c'est là. Bon, là je suis là. Je suis là, toi, tu es là aussi? Je suis ici là. Voilà. Là. Voilà. Voilà. Ok, on a les coins. Nickel. Ensuite. Donc là. Là je crois que j'ai l'axe de la voilà, piscine. Voilà, l'axe de la piscine, mets-le au milieu là. Là j'ai l'axe de la voilà, piscine qui est là. Accroche-le. Voilà, alors attends, bouge pas. Tu rentres dedans. Et viens, 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 viens. Voilà, je sais pas, je sais pas. Viens, on n'a pas pu voir. Moi, je ne sais pas. Voilà. Voilà. C'est Interplast. C'est Interplast, c'est ça, exactement. Interplast. Oui. Si je suis un partenaire avec eux, c'est que c'est pas dans la merde. Non. T'as vu la vidéo que j'ai faite? Oui, je sais, ouais, bien sûr. Si t'as pas la même chose, on va appeler Interplast. Exactement. Mais direct, hein. Valentin. De suite. De suite. Et on monte là-bas, hein, direct. Non, on monte, on peut pas monter, c'est en bas, non? On y va en bouffe. On y va en bouffe, c'est tout. Bon. On a repéré les quatre coins, d'accord? On les a mis dans les coins de chaque côté. On a la chance d'avoir un pli de jonction du liner au milieu, qu'il a mis au milieu de son refouleur. Et donc, on va partir les deux, chacun d'un côté, et on vient
rentrer ça dedans. D'accord. Mais je vais vous faire okay. un gros plan de toute façon. Ok. Allez, on y va. Allez, go, c'est parti. Casse couille ton bois là au milieu là. Hein, ouais. Hein, ça va faire joli, mais ça casse couille. Hein. Bon, tu m'as dit tu peux l'enlever si tu veux l'enlever. Non, rien du tout. Je suis content parce que blanc ça fait joli. Moi j'aurais préféré bleu. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai plus bleu chez moi. Maman elle voulait blanc. Maman elle voulait blanc. Maman elle voulait, après elle voulait blanc. J'ai dit maman, j'ai dit bleu, elle m'a dit non, c'est moi qui choisis. Tu sais ce qu'on dit, hein. Je choisis. Ce que la femme veut, homme peut. Exactement. Explique-nous, Ludo. Alors là, il y a une, ben en fait, c'est une petite réglette. Hein. Il y a un petit embout là, ici là. Et je pensais pas que ça soit aussi facile que ça à le mettre en fait dedans. Tu vois? Honnêtement, c'est franchement c'est génial. Hein? Tac. Est-ce que là, je suis arrivé à le mettre bien comme il faut là? Ben voilà. Punaise. Non, c'est super. Impeccable. Nickel. Alors, je suis content. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ah, je suis très content. Non, ça fait super. Franchement, ça fait super. Ça fait nickel pour l'instant. Regarde-moi. Plus coucou la caméra. Non, pour l'instant, c'est top. Hein. Franchement, je suis terrible. C'est simple, c'est compliqué, c'est comment? Non, franchement, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Le truc, c'est de bien choper le coup, quoi. Les voilà. coins, il faut choper les coins. C'est choper les coins, voilà. Mais bon, après, moi, j'ai donné le métrage et c'est lui qui m'a dit, voilà, il attend de tout ça. Non, c'est très bien fait. Allez, c'est très bien. Allez, on va positionner un peu plus le slider, voilà. On va vous faire voir. Là, on a plein de plis de partout, d'accord? Mais oui, c'est ça veut dire qu'il n'est pas bien son coin. Donc, essaye de pousser, voilà, là. Et on va faire pareil, là. Mets-toi ce coin-là et t'écarte, voilà. En essayant d'avoir le moins de plis possible. Et après, voilà, et au fur et à mesure, t'écarte avec moi. D'accord. Avance ta jambe, écarte. T'écarte avec moi? Bah, arrête, voilà, on va faire tout seul. Hein. Tape. Voilà. Et au fur et à mesure, il va se positionner. Voilà. Après, je ne me rappelle plus sur ma vidéo si je me mettais dans la piscine avec de l'eau ou pas. Si, tu mettais avec de l'eau. J'ai commencé à mettre de l'eau. Ouais. Et je le mettais en place au fur et à mesure. C'est ça. En vérité, il ne faut pas qu'il y ait trop de plis. Ouais. Et après, le poids de l'eau va te plaquer. Ouais, tout. Va me plaquer. Non, mais de toute façon, c'est ce que je vais faire. Hein. Et là, bon, on va mettre de l'eau. Là. Oui, bien sûr. Ouais. Donc là, attendez. Bouge pas, Ludo. On va voir. Là. Voilà. Là, on a quelques, je dirais, plis de transport. Hein. Oui, bien sûr. Et quand c'est vrai que quand on appuie, tu vois, les plis disparaissent. Ouais, c'est exactement. Donc, exactement. C'est les plis de transport. Voilà. On va maintenant mettre de l'eau, un fond d'eau, voilà. Pour pouvoir, s'il y a un pli qui se fait, le taper sur un côté ou côté droit. Et non, c'est super. Super là. Ah oui, nickel, impeccable. C'est très très bien. Tu vois, très, finalement, très c'est comme sur ma vidéo. Ah oui, honnêtement, ouais. Ah ouais. Il manque le chien quand même. Hein Kiki. Non, on a cramé Kiki. On a cramé Kiki. Kiki, t'as envie. Oh oui, t'as Kiki. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on était invités à une bouffe. Voilà. Et ils avaient fait Michoui. Super bon, on s'est régalé. Hein. Et du coup, on avait fait une story où on cherchait le chien comme ça, on était devant le Michoui qui tournait. On fait oui, Kiki, ah merde, Kiki, il est là. Et bon, voilà. Allez, on va mettre un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Et on va terminer de le tendre tranquillement. Exactement. Et puis sur les parois, c'est le poids de l'eau qui va le tendre tranquillement. Tout à fait. On va mettre super. Lève le tuyau comme voilà, comme ça. On va essayer de ne pas tomber. Ouais, fais couler un peu plus. Je fais couler un peu plus, hein. Ça va. Finalement, c'est bon là. Et là, tu vois, descends avec moi. Ah, je viens. Allez, je viens.
Mais tu fais un peu, c'est chez toi quand même. Qui est quoi ? Pourquoi tu rigoles ? T'es con ou quoi ? Il n'y a pas assez d'eau là. Eh ben, et ça va se remplir. Et là, tu vois, l'important, pas de pli en bas. Dès que tu n'as pas de pli en bas, on est pas mal. On est pas mal. Et là, tu vois, déjà, il n'y en a plus. Ouais, c'est vrai. Et c'est exactement le poids de l'eau qui a pris. Ça, ça va se tendre tout seul. Ça sera bien, hein. Et oui, ça sera bien. Tu sais quoi ? Quoi ? Déconne pas, c'est le micro. C'est pour ça que t'es pas arrosé encore. Déconne pas, c'est le micro, connu. T'as quoi ? J'ai des micros un peu chers. Ouais. Les micros là, hein, sans pile. Sinon. Sinon, je le mettais bien. T'as failli y passer, mon grand. Bon. On a passé une après-midi où on a rigolé encore. Très chaude, hein, parce que on s'en fout. Ça cognait terrible. Profite, que les enfants puissent profiter de la piscine ce week-end là, tranquillement. Exactement. Est-ce que tu pourras m'envoyer une vidéo en mode paysage? Oui. De l'installation finie. Bien sûr, comme d'accord. Ça, on leur montrera. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Et là, tu rajouteras ça au montage. Merci pas. Voilà. Et au niveau complexité. Au niveau complexité, bon, pour mettre le jeu textile, c'est vrai que c'est bien entre deux, parce que pour le timbre et tout ça. Voilà, mais après, niveau liner, on a mis ça en quoi, même pas 15 minutes. Quoi. Qu'est-ce que tu penses des produits Interplast? Ah, ils sont très bien. Très très bien, parce qu'ils se posent très facilement, on va dire. On va préciser une chose. Voilà, on va préciser une chose. C'est, je suis venu donner un coup de main à Ludo, parce que je le connais. Bien sûr. Il a acheté son liner. Bien sûr, tout à fait, exactement. Tout ce que vous voyez qu'il a posé, il a tout acheté. Hein. Il n'y a pas de vidéo en partenariat là. Autant chez moi, Interplast me l'avait offert, autant ici, il a acheté. Exactement, d'accord, tout à fait. Voilà. Donc, je tenais à le préciser parce que des fois, on va parler du placement de produits, de publicité, de machin. Quoi vous dire de plus? On vous a montré quand même beaucoup de choses. Exactement. Je ne sais pas si la vidéo va être longue ou pas, on verra ça au montage. Il me manque juste le petit dérush de Ludo. Et ce week-end, les enfants, feu. Exactement, il n'y a pas de souci. Allez, bon. J'ai envie de vous dire, à ciao, bye bye. Avant tout, vous savez, Ludo, c'est un plombier. Et il a une, donc on a déjà fait une vidéo ensemble, comme je vous ai dit en début de vidéo. Ça, c'est la deuxième qu'on fait. Et il a une solution de chemisage de tuyaux. Oui, le chemisage de canalisation. Voilà, c'est une réparation par l'intérieur. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, si vous avez un tuyau cassé, il remet un tuyau à l'intérieur. C'est ça, tout à fait. Il faut que tu me fasses un chantier où je puisse venir te filmer. Mais bientôt, là. Et après, je ne veux plus te voir parce qu'on te voit plus souvent à toi que moi sur la chaîne. Mais dis-leur que je vais racheter du plomberie. Voilà, ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher. Mais donc, il va y avoir une autre vidéo. Alors, je ne sais pas quand, parce que je suis dépendant de lui et de son chantier et que la personne veuille bien qu'on filme. Et on va vous montrer le chemisage d'un tuyau à l'intérieur avec une résine. Ouais, c'est ça, avec des résines. Hein, des résines. Alors, on va voir. C'est ou avec la fibre de verre ou de la résine. Voilà. C'est donc, fibre de résine ou chaussette, on verra ça. En plus tard, pour vous qui restez jusqu'à la fin, un de ces quatre sur la vidéo. Et n'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Je vais vous le mettre aussi dans la description. Alors, si vous voulez voir des vidéos de plomberie sur Instagram, c'est pas lui qu'il faut voir. Si vous voulez voir des conneries sur Instagram, c'est lui qu'il faut voir. Moi, je suis abonné et quand il me fait pas ma story de la journée, je râle. Je l'appelle, je dis oh. Et voilà, donc c'est un phénomène particulier. Allez. Bon, allez. À ciao, bye bye. Merci d'être resté jusqu'à la fin. En tout cas, pour tout. On a fait une petite vidéo sympa, on a posé le liner. Voilà, tu t'es fait influencer finalement. Ouais, on met bien, tu vois. Bien. Comme quoi, une fois, l'influence fait que c'est des bons. On va préciser un truc. Ah. Ils seront sûrement partis. Une derrière. Regarde. J'ai fait ma vidéo sur le liner, tu l'as vu, en a parlé 50 fois. Là, t'as pas acheté 50 liners. Non, j'en ai acheté un. J'en ai acheté un. Un. Exactement. Et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Donc, très très bien. Vous savez, le partenariat qu'on peut faire et tout ça, si on vous le présente, c'est que ça vaut le coup. Exactement, tout à fait. Oh, sinon, croyez-moi, je ne vais pas vous présenter un truc pour recevoir des messages. Vous voyez, David, c'est de la merde ton truc et tout ça. Donc, bien sûr, non. Donc, servez-vous de moi et d'autres. Hein. Bien sûr. Quand ils vous disent que le truc est pas mal, c'est que c'est pas mal. Parce surtout que quand tu es du métier. Ouais.
Alors, moi, je ne suis pas pisciniste. Hein. Non, mais voilà, mais bon, après, dans l'ensemble. Bon, ouais, après, on bricole beaucoup quand même. Mais donc, ce que je vois positif là-dedans, moi, c'est que j'ai montré une vidéo sur un liner. Nous, on se connaît, donc c'est un peu différent. Mais. Il m'a dit, est-ce que tu peux me donner le numéro machin et pour que je puisse le commander. Mmh. Et finalement, il a commandé, il a reçu, ça se passe bien. Clair. Bon, il a pris une couleur de merde. Non, mais... bon, par contre, l'eau commence à monter, donc je pense ça va. Allez, à ciao, bye bye, et à une prochaine vidéo. Allez, vous êtes là, vous? Bon, hé. Pas beau, ça? Eh, on est bien. Franchement, donc ça a été fini tranquillou, on va dire. Poser, du moins fait la découpe du skimmer, fait la découpe de tout. Donc voilà, ça en eau, ça fait plus d'une semaine qu'on se baigne. Donc c'est nickel. Donc on remercie Interplast, on remercie David aussi. Et la régie des eaux, parce que franchement, à force de sauter dans l'eau, on en fout partout. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Et comment il fait David? Il fait ça.